Bonjour, je suis Dr Hamouten, endocrinologue diabétologue. Je suis la vice-présidente centre de la SADIAB, qui est la société savante de diabétologie. Et je suis aussi la vice-présidente de l'Association nationale de l'éducation sanitaire et une membre fondatrice de l'ANDEL, qui est l'association des endocrinologues libéraux. Ça fait à peu près 32 ans que je fais de la consultation de diabétologie et je suis dans le privé depuis plus de 27 ans. Donc le diabétique, le traitement du diabète, l'insuline, c'est une arme thérapeutique qu'on a toujours utilisée chez les diabétiques. Vous savez que les insulines étaient importées, les insulines avec lesquelles on a travaillé sont de bonnes insulines, mais l'arrivée d'une insuline algérienne produite en Algérie qui peut faire des économies, surtout ce pack d'insuline, la Glarus. L'insuline Glarus, elle est bienvenue en Algérie, plutôt produite chez nous. Donc, pour les patients, Inch'Allah, pas de rupture. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. Le stylo est parfait. Il ressemble donc aux autres stylos. Il n'y a pas de problème dans la facilité pour ce qui est des aiguilles, pour ce qui est de l'injection, pour ce qui est de l'application en sous-cutané. Pas de réaction. Je n'ai aucun problème à switcher ma patiente de certaines insulines qu'ils ont pris pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, à ces insulines, la Glarus. Donc, aucun problème. C'est une insuline de Biocar. Eh bien, elle est bienvenue chez nous. Et ça fait quand même 7 mois que je l'utilise. Et en plus, je suis expert en diabétologie. Donc, voilà, je n'ai vraiment pas eu de problème avec cette insuline. Au contraire, elle est la bienvenue. Merci.